Eh bien salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment avoir des véhicules que l'on peut pas normalement customiser. Comment on peut les customiser justement. Donc vous allez juste devoir prendre un véhicule que vous avez customisé. Donc vous inquiétez pas, ce véhicule c'est pas moi qui l'ai customisé. Je l'ai trouvé comme ça dans la rue. Donc si votre véhicule vous l'avez déjà customisé, vous aurez juste à changer la plaque. Et si votre véhicule vous l'avez pas encore customisé, bah vous le customisez normalement. Et puis bah voilà quoi, et après vous faites la suite de la vidéo quoi. Donc là moi vu qu'il est déjà du coup il est déjà modifié, je vais juste changer la plaque. Puis on va réparer le véhicule. Mettre une plaque comme ça, on s'en fout. Voilà, donc là on sort. Et donc les gars, je vous retrouve bah, quand j'ai trouvé un véhicule que je peux customiser. A tout de suite. Ah bah parfait, il y en a un juste ici. Vous allez devoir le prendre. Ah non, fallait appuyer longtemps sur triangle parce que sinon il vous pour lui voler. Donc les gars, je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc les gars, on se retrouve. Alors faudra juste noyer le moteur, tout simplement. N'importe où sur la map, hein. Moi je suis parti ici, mais vous pouvez aller n'importe où. Franchement, ça marche vraiment n'importe où. Donc vous allez devoir juste aller noyer le moteur. Donc quand vous sachiez que le moteur il est noyé, voilà, vous pourrez plus avancer ou reculer. J'ai peut-être un peu trop là. Voilà, c'est bon. Alors là, vous allez devoir changer de personnage. Donc moi je vais aller sur Michael, sur Franklin. Donc voilà. Vous allez revenir sur Michael. Et une fois que vous êtes sur Michael, si vous regardez bien, vous allez voir que regardez, les roues elles ont été modifiées. Normalement il n'y a pas ça. Et quand vous allez accélérer, le moteur il a changé. Voilà, donc ça marche pour tous les véhicules que vous pouvez rentrer dans le LS Custom, mais juste pour le réparer, donc voiture de police, tout ça. Donc si vous voulez le garder, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de refaire tout le temps la même chose. Vous avez juste à aller le ranger dans un garage, donc vous allez le ranger par exemple là. Et puis voilà, donc là après vous l'aurez tout pour toujours, le véhicule, dès que vous aurez envie de le prendre, tout ça. À part si vous le laissez, puis bah vous pourrez plus le récupérer, normal comme un véhicule, mais voilà. Donc là vous l'aurez en tout cas si vous le laissez dans votre garage. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.